Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo courte qui va juste expliquer ce qui ne va pas sur telle ou telle classe. Là, on vient de jouer avec un petit monk. Il manquait un petit peu de DPS. Il a 230 high level, c'est pas grave du tout. Il a lu des guides et tout, et sur les guides, on l'a pas forcément bien aiguillé sur comment burst et tout. Là, on est... Alors attention, il faut bien noter par rapport à quand c'est fait ce guide. On est le 5 novembre. Donc peut-être que dans 3 mois, ça sera plus le même cycle. Mais notez-le, voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Donc tout simplement, on est en stream. C'est 230 high level. Il n'a pas trop l'habitude de le jouer. Juste pour comprendre, le monk DPS, c'est ultra simple. Ça fonctionne de la même manière qu'un mash fire. C'est-à-dire que dans une fenêtre, d'accord, donnée, il faut que vous ayez rentré tous vos CD. C'est-à-dire que là, vous voyez, il a fini à 6K overall. Là, dans un donjon, il aurait pu, avec le même stuff qu'il a, finir à 9K. C'est-à-dire qu'il a 30% de DPS en moins. Tout simplement parce qu'il a très peu utilisé, hop, ce sort-là, breuvage poussière d'os. D'accord? Donc il va falloir l'utiliser, le breuvage poussière d'os, et surtout savoir quand l'utiliser. En fait, ça ne sert à rien de l'utiliser si on ne sait pas quand on l'utilise. Déjà, il faut l'utiliser très fréquemment, mais surtout à quel moment. Alors, comment l'utiliser? C'est simple. En gros, pendant ces 10 secondes du breuvage, il va falloir défoncer la target. C'est même 8 secondes, je crois. C'est-à-dire qu'il va falloir setup au préalable tout pour que pendant ce moment donné, vous ayez tout pour défoncer le pack. C'est très simple. En gros, vous allez arriver dans le pack, d'accord? Ça va être Pomme du Tigre, vous pouvez Fist of Fury, d'accord? Une fois que vous êtes monté à 6 stacks, d'accord, sur votre tourbillon, enfin là, il n'y en aura que 4, d'accord? Mais du coup, quand vous êtes monté à 4 stacks sur le Spinning Crane Kick, vous allez pop Xuan, image, fixez vos images sur votre cible, d'accord? Et ensuite, c'est très simple, c'est vous mettez, d'accord, la 5 stacks max, autant pour moi. Apparemment, ça a été changé, maintenant c'est 5 stacks, autant pour moi. Mais du coup, je recommence. Donc, les pommes, derrière, Führer, d'accord? Enfin, du coup, Fist of Fury. Là, ensuite, vous avez vos 5 stacks, ou vos 4 stacks en l'occurrence, d'accord? 4 ou 5 stacks. À ce moment-là, vous allez chercher à remonter à 5 de chi. Et à ce moment-là, c'est Xuan, image. Et là, vous mettez, vous fixez vos images, Necrolord, et c'est Spinning Crane Kick. Comment ça s'appelle? Coup de poing du dragon, Spinning Crane Kick, Spinning Crane Kick, Spinning Crane Kick, Spinning Crane Kick. C'est débile. Voilà. Alors, I know, là, il y a I know, il y a des gens qui sont des monks opti à fond, qui font de la 23, 24 et tout. En fait, I know, le cycle, celui-là, il est OK. Dis-moi la seule différence, du coup, pour toi. Quelle serait la seule différence pour toi? OK, tu vas essayer déjà, Onyx? Tu vas venir? Let's go. Donc, c'est parti. 3, 2, 1, let's go. OK. Parfait. Ton fist. Ton fist. Parfait. Là, tu remontes tes stacks. Let's go. Xuan, image. C'est parti. Donc là, tu m'as mis une frappe du voile. Donc déjà, OK. Et là, c'est parti. Spinning. Oh là là, oh là là, enfin, pas du tout. Quand tu mets le breuvage, c'est spinning, 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 spinning. Spinning, spinning. Donc là déjà, ça va pas du tout. Pourquoi t'as continué à me mettre des commandeurs? Des frappes. Tu m'as mis des frappes du voile, non? Je me trompe pas? Ouais, j'en ai mis une, mais avant les spinning, je sais pas pourquoi. Ok. Ah oui, mais ça, il faut y faire attention. Ouais. Tu vois, et là, t'as pas fixé tes images. C'est pas possible. J'ai l'air fixé juste après la frappe du vol noir. Comment? Je les ai fixés juste après ma frappe du vol noir que j'ai faite dans le vide là, et après j'ai fixé, eh oui. J'ai fait des spinning. Ok, on va prendre... Est-ce que Ptio t'es dispo là? Je vais grouper un monk. Hop. Alors vous n'aurez pas besoin de venir en vocal, juste on va prendre un... On va prendre un monk. Hop. A bientôt Shamso. A bientôt, à bientôt. Donc, let's go. En gros, il faut vraiment que tu comprennes que pendant, d'accord, pendant ton breuvage, il faut que tu mettes... En fait, il faut que pendant ton breuvage, ok, il faut vraiment que la durée du breuvage, tu aies absolument tout, d'accord, pour taper, ok. On va prendre un exemple. Donc, comme ça, même sur la vidéo YouTube, vous aurez un exemple. D'accord, on va prendre Speed, qui est un très bon monk.
pour que vous compreniez à quel point c'est simple. D'accord ? Tu vas pouvoir regarder avec... Qu'est-ce qu'il est en stream, Speed ? Ah ! Ça se trouve, il s'est pas mis en stream. À moins qu'il ait nommé Chill maintenant ? Non, normalement, c'est... Alors, attendez. Hop ! Ah oui, c'est V Speed, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a le V devant. Donc là, ça, c'est un des meilleurs monks au monde. Donc YouTube, comme ça, vous pourrez voir. C'est vraiment très simple. En fait, il faut juste comprendre. Une fois que vous aurez compris, vous serez en mode « Ah, mais c'est d'une simplicité vraiment... » Genre, le cycle est ultra simple. Donc, hop, vous allez voir. Donc, c'est parti. Donc là, il prend. Hop. Il va dans le pack. Il va mettre une pomme du tigre. Derrière les coups de poing, d'accord ? Explosion de chi, hop, je remonte. Hop, hop, hop. Donc, une pomme du tigre. Là, il a une pomme du tigre, vous voyez ? Derrière, une autre pomme du tigre, coup de poing. Paf, vous voyez ? D'accord ? Derrière ça, explosion de chi. Ça, c'est de la micro-optie. Vous n'êtes pas obligé de jouer en explosion de chi, on s'en moque, d'accord ? Derrière ça, hop, ça démarre. Là, il met ses images, d'accord ? Une extraction du mal, image. Il a ses 5 stacks, vous voyez ? Et là, c'est parti. Il y a son Xuan qui pop, vous voyez ? Xuan qui va pop, hop, en même temps qu'image. Donc 12 secondes, le Xuan qui a pop. Et au moment où ça s'est fait, d'accord ? Il met ensuite la boisson. Quand il est... à ses 6 stacks, et là ça démarre. Et regardez son DPS, c'est très simple, il l'a pas affiché. Ah, c'est un plaisir. Je vais prendre un autre replay. Et du coup, vous voyez, et là une spinning crane kick, spinning crane kick, spinning crane kick, spinning crane kick. Il fait que ça pendant la durée de ce pool. D'accord ? C'est-à-dire que il ne fait que ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à faire autre chose. Ah non, c'est que ça. D'accord ? On va rechercher une autre run par exemple pour vous remontrer. Hop. Donc vous allez voir. Hop. Donc let's go. Vous voyez. Hop. Donc là il met son incap avant. Parce que là il doit gérer ça. Donc il va gérer son incap. Vous voyez là il tape pas encore. Il doit incap en mode. Voilà. Là il va prendre le mob Fist of Fury. Donc les coups de poing. Explosion de chi. Il a même pas besoin d'explosion de chi là. Il va Xuan. Image, il a déjà ses 5 stacks. Fixate, d'accord ? Coup de pied du soleil, et là ça démarre. Et là, le breuvage, et là c'est parti. Spinning crane kick, 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 spinning crane kick. Voilà, et il est à 65k DPS. Voilà, tout simplement. On va vous remontrer sur un autre pack. Hop, sur un autre donjon. Par exemple, sur Théâtre, hop, du coup, à l'open de Théâtre, ils prennent 4 mobs. Donc là, vous avez 4 mobs. D'accord ? Donc, c'est parti. Hop. Une pomme du tigre. Directement Fist of Fury. Hop. Une frappe. Là, lui, il a pu mettre une frappe parce qu'il doit finir de monter ses stacks. Là, c'est parti. Hop. Image fixe. Il a coup de pied du soleil. Xuan qui pop, là il va poser son breuvage nécro, hop, il est parti et là il n'y a plus que deux spells à utiliser, Spinning Crane Kick ou Dragon Punch. Donc Dragon Punch, pardon, en français c'est ce spell là, le coup de poing du dragon tourbillonnant, d'accord. Et c'est parti, regardez, là il est à 6k DPS et dans cette fenêtre de 10 secondes il a mis son Xuan, vous voyez, je remontre juste avant, une pomme du tigre. Directement Fist of Fury, il avait un proc de frappe du voile noir, d'accord. Hop, 3 stacks. Là, il va pop, hop, ses images, 5 stacks. Le Xuan qui part, hop, le Necrolord qui va partir, paf, et là, ça démarre. Et attention, maintenant, c'est parti. Et là, Spinning Crane Kick, donc coup de pied, enfin, coup tournoyant, coup tournoyant d'agru, 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 coup tournoyant d'agru. Voilà, et regardez, 80k DPS.
sur 4 targets. Alors que juste avant cette fenêtre là, vous pouvez le voir, il est, hop, regardez bien, hop, à 6k DPS, et regardez comme ça monte d'un coup, et c'est parti, paf, 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 et paf, et il est à 80k DPS, voilà. Vous comprenez? Et c'est simple. Alors pourquoi il fixe le fixate? Pourquoi il spam le fixate de ses adds? Tout simplement parce qu'il a une macro, je pense, sur son spinning qui permet de fixate sur. Voilà. Je pense que c'est une macro qu'il a de fixate sur une cible. Donc voilà. Est-ce que tu trouves que c'est dur? Est-ce que tu trouves du coup que c'est dur, Onyx? Non, non, du tout. Mais en fait, c'est parce que j'avais pas toutes les. Enfin. En gros, sur les vidéos que j'avais regardées, c'était pas bon parce que. Le coup de pied de soleil devant, je pensais pas du tout le mettre à ce moment-là. Réessaye. Et pareil pour le dernier talent. N'hésite pas à réessayer, vas-y, c'est parti. Let's go. Ok, Xuen, image. Ton fils, il part très tard déjà, tu vois, ton fils là. Ok. Tu vois, là t'as mis beaucoup, beaucoup de temps. Pareil à setup, tes images sont pas fixées. Là, à la fin du breuvage, tu mets encore des coups. Tu vois? Donc du coup c'est pour ça que tu décolles pas, tout simplement. Faut que tu t'entraînes, mais tu vois la rotation est très simple. Tu comprends? Hop, donc je remonte. Donc ça pourra peut-être vous aider sur YouTube, et j'espère. Donc la pop. Le fist. Hop, frappe parce qu'il avait un proc. Là il a 3 stacks, les images. D'accord. Le sun rising kick là, enfin le coup de pied du soleil levant. Donc il a ses 5 stacks, le Xuen, les images sont fixate, breuvage, et là c'est débile. C'est spinning, spinning, enfin coup tournoyant, il met juste un... Et voyez, hein, 80k DPS hein, sur 4 targets, hein, les amis, hein, sur 4 targets. Il met juste un... mince, comment on appelle ça? Un coup de poing du dragon tourbillonnant, et voilà. Ok? Voilà, et c'est très simple. On va le remontrer sur une autre phase de burst peut-être. Sur celle-ci, est-ce qu'il est en phase de burst là sur ce pack là? Parfait. Donc là, il a son burst, vous allez voir. Regardez bien. Hop. Donc, pomme du tigre. Fist of Fury. Hop, son Xuen qui va partir, ses images Xuen, il remonte à 5 stacks, hop, et là il va mettre son Necrolord, et c'est parti. Hop, le Necrolord qui vient d'être posé, vous voyez toutes les targets, et là c'est parti. Let's go. Et regardez son DPS, bam, 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 et les mobs meurent en 2 secondes en fait, parce que même il a même pas le temps de setup son DPS, tellement ça meurt en 2 secondes. Voilà. Tout simplement. Et ça c'est sur Théâtre, donc imaginez-vous sur des donjons comme Hall of Attainment, bah, typical là, ce pack là. Sur Hall of Attainment, ah alors là ils ont wipe. Vous voyez, sur Hall of Attainment, hop. Donc là il n'y a que 5 mobs, hein. Vous allez voir, ils prennent 5 mobs, vu qu'il y a les explosifs et tout. Donc hop, il y a 6 mobs, pardon. Donc là c'est pareil. Vous voyez, hop, le setup. C'est parti, pomme, pomme, tu vois, pomme du tic sur un, pomme du tic sur le pour monter les stacks. Hein. Là, Fist of Fury, directement, l'explosion de chi, alors ça, l'explosion de chi, tu peux l'enlever, toi, t'en as pas besoin, c'est de la micro-opti. Into, image, Xuen fixate, coup de pied du soleil levant, d'accord, 5 stacks. Hop, là, il a ses 5 stacks. Song Xuen ici, ses images fixate, tout est aligné. Il va poser le Necrolord. Maintenant, le Necrolord vient d'être posé. Et là, bah, roulage de tête sur le clavier. Hein. Regardez, il est à 7k6 DPS. Et regardez, maintenant, ça démarre. Paf, 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 paf. Et il a pas de proc, hein. Il a pas eu de proc, hein. Et il est à 70k. Il a pas eu de proc, hein. Vous pouvez le voir, hein, déjà. Voilà.
Et là, il a pas eu de proc hein, sur cette, sur ce pack-là. Vous voyez ? Et c'est très très simple. Une fois que vous avez compris le principe, c'est ultra simple. Pareil, là, vous voyez, hop. Donc, pomme du tigre. Pof. Hop. Ça démarre, le fist. Sans juste, hop. Le Xuan. Hop. On est remonté à 5 stacks. Xuan, truc. On pose le Necroland. On est à 3k DPS. Hein. On pose le Necroland. Et dans cette fenêtre, il faut que tout implose. Et ça démarre maintenant. Paf. 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 Et on n'a pas de BL. Hein. On n'a pas de BL. Hein. Et on est à 80k DPS. Voilà. On est à 84 DPS, on n'a pas de BL et on a fait le pack solo, en fait. Voilà. Tout simplement. Et là, pareil, on n'a pas de Xuan, vous voyez, sur ce pool-là. Donc sur ce pool-là, on a quand même des images, mais on n'a pas de Xuan. Donc c'est pas grave, hein, on refait le même truc, hein, c'est le même principe. Hein. Hop, là, image, le Necroland qui va partir quand il aura ses 5 stacks. Il a 5 stacks, il a les 5 ici aussi. Et ça départ, le Decroland, et c'est parti. Donc là, il y a moins de burst, hein, entre guillemets, hein, moins de burst, parce qu'on est toujours à 38k DPS. Hein. Voilà. Vous voyez ? Sur Varut, on va pool. Et là, ah ! Cependant, il l'a mis en mono. Vous voyez ? Là, il l'a mis en mono. Donc du coup, il a perdu un petit peu. C'est pas grave, et c'est reparti. Là, pareil, on n'a pas le Xuan. Vous voyez ? On pop, les CD partent, 5 stacks, le breuvage, et ça démarre. Boum ! Boum, 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 et boum. Alors qu'on n'est pas sous Xuan, hein, on est à 40k. Voilà. Tout simplement. Est-ce que tu comprends mieux, monsieur Ares? Bah, je vais m'entraîner. Et tu penses que sur 4 targets, tu devrais atteindre combien pour me fixer un objectif? Comment? Sur 4 targets quoi? Ouais, tu penses que je devrais atteindre combien en DPS? Ah mais là sur ton burst tu dois être à 25k, 30k au moins, je pense. On va s'entraîner toute l'après-midi, tu dois atteindre ça. Exactement. Là tu dois pouvoir le faire, hein. 25k. Je pense que les moines du chat, vous pouvez me dire, hein. Mais je pense que... il a 230 high level. 230 high level. Il doit pouvoir faire 25k en burst, 30k sur 4 targets, je pense. Hein. Donc voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. YouTube, désolé, je suis dans le noir, la nuit est tombée très rapidement. En tout cas, j'espère que ce petit tuto vous aura aidé. On va essayer de faire plein de petits tutos comme ça. Et à bientôt. Et on essaye d'aider les viewers qui viennent en clé après pour leur dire quoi améliorer, comment l'améliorer. Et voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. À bientôt YouTube et n'hésitez pas à venir sur le stream. À bientôt.